おはようございます。こんばんは。私の声聞こえていますか？それでは、これからシンポジウムを始めたいと思います。ドミニクさん、よろしくお願いします。Bonjour à tout le monde, je suis Dominique Schneider, j'ai travaillé pendant de longs mois avec nos amis japonais à l'élaboration de ce très beau projet qui fait la comparaison entre ce qui s'est passé après le désastre de l'incendie de Notre-Dame de Paris et celui de l'incendie du château de Shuri. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui, enfin d'être ensemble avec vous aujourd'hui, très heureux d'aboutir, que ce projet aboutisse. Je voulais introduire les personnes qui vont prendre la parole aujourd'hui. Je vais d'abord introduire Éric Palot, qui est l'actuel président d'ICOMOS France, qui nous fait la gentillesse d'être avec nous. Jean-François Lagneau, qui est l'ancien président d'ICOMOS France et qui a été à l'initiative, qui s'est beaucoup investi dans ce projet. Et enfin, Martine Regert, qui est directrice de recherche au CNRS et qui donc... le CNRS ayant aussi énormément travaillé à l'accomplissement de ce très beau projet. Voilà, bonne séance à tout le monde et je passe la parole au président actuel d'ICOMOS France. Merci Dominique. Bien, bonjour à tous. C'est donc en tant qu'actuel et récent président élu d'ICOMOS France que j'ai le plaisir et la chance de vous accueillir tous aujourd'hui, tant en présentiel qu'à distance par visioconférence. Donc, je voudrais vous remercier tous pour votre présence. D'abord, remercier bien sûr l'ensemble des organisateurs de ces deux journées, remercier la direction de la médiathèque et de l'architecture du patrimoine qui nous accueille aujourd'hui. Le sujet qui nous rassemble aujourd'hui, au-delà de l'émotion que nous avons tous ressentie lors des catastrophes qui ont accablé ces deux monuments et que nous n'aurions pas cru vivre, était essentiel. Essentiel car il nous permet de réfléchir à ce qu'est la valeur universelle du patrimoine et à notre devoir permanent de faire en sorte de le transmettre d'une quelconque façon aux générations futures. Et malheureusement, il est d'actualité. Je ne peux m'empêcher, si vous permettez, de penser aux risques que la guerre en Ukraine engendre sur les hommes et les patrimoines de ce pays. Donc, l'évocation de la perte, de l'histoire, de la restauration de la cathédrale de Notre-Dame du château de Shuri vont donc nous occuper durant ces deux demi-journées et je vais laisser la parole à Jean-François Lagneau, mon prédécesseur et ICOMOS qui en a été la cheville ouvrière. Mais avant de vous quitter, je voudrais simplement vous dire qu'en tant qu'expert international, mandaté par l'UNESCO pour la coordination et la restauration des temples d'Angkor, où il a fallu gérer des situations proches, je pars dès demain pour le Cambodge où je ne manquerai pas d'évoquer nos deux journées avec les équipes françaises, japonaises, internationales qui œuvrent sur les temps, ainsi qu'avec l'ensemble de mes homologues. Je vous remercie de votre attention. Jean-François. Bien, merci, cher président, de ton mot d'introduction. Je voulais simplement rappeler un peu comment nous étions arrivés à ces journées. En fait, l'idée de ces journées remonte à une rencontre en septembre 2019 au Monténégro entre Toshiko Ono, alors président d'ICOMOS, et Benjamin Mouton, un de nos anciens présidents d'ICOMOS France. Comme tout le monde, ils étaient encore sous le choc de l'incendie en avril de la cathédrale Notre-Dame de Paris et des questions que cela soulevait. Conserver, restaurer en restituant, en recréant, et je passe sur les multiples dénominations d'une telle opération de reconstruction. Elle sera confortée deux mois plus tard à Marrakech, lors de notre Assemblée générale trisannuelle. ICOMOS France s'engageait à travailler sur cette problématique avec comme objectif de chercher à travers le monde des exemples similaires de pertes patrimoniales accidentelles et d'examiner les réponses apportées. Elle apparaissait également comme une bonne illustration des travaux post-trauma entamés par l'ICOMOS à la suite des destructions au Moyen-Orient, dont celle de Palmyre en 2016, et qui venaient de se terminer. Quelques jours après, le 30 octobre, le château de Shuri partait lui aussi en fumée. Après ce nouveau drame, il fut rapidement décidé de concentrer nos recherches autour de ces deux édifices et de les mettre en parallèle. C'est ainsi qu'est née l'idée de réaliser une exposition conjointe sur ce sujet, transformée ensuite, pandémie oblige, et grâce à l'Université de Kyushu,
en un site sur le web que nous lançons aujourd'hui. Nous allons essayer durant ces deux journées de vous restituer l'essence de nos travaux. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut avoir la parole de Martine Reger? Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Parfaitement. Très bien. Bien, je vous remercie. Donc, même si nous allons aborder au cours de cette manifestation internationale qui inaugure donc une exposition, un désastre qui a touché nos deux pays, le Japon et la France, la même année, cela vient d'être dit, donc en 2019, on ne peut que se réjouir de la tenue de ce colloque qui analyse le passé tout en permettant de penser le présent et de se projeter positivement, et on en a besoin à l'heure actuelle, dans l'avenir. Par ailleurs, faire dialoguer deux événements proches dans le temps, quasiment synchrones à l'échelle des temps historiques, mais éloignés dans l'espace, est extrêmement original et heuristique. À travers les monuments du château de Chouri et de Notre-Dame de Paris, nous pourrons appréhender une partie de la diversité des cultures et des pratiques de nos sociétés humaines, mais aussi ce qui fait l'universalité de l'humain dans ses dimensions en tant que culturelles qu'historiques. Enfin, c'est un colloque qui aborde plusieurs aspects complémentaires liés au patrimoine culturel de l'humanité sous les angles de l'histoire, de l'architecture, de la restauration, de la matérialité, de la spiritualité et de la mémoire, et j'oublie sûrement certains autres aspects, mais nos orateurs nous les rappelleront. Nul doute que le croisement des regards diversifiés sera un gage d'échanges riches et fructueux qui changeront probablement certaines de nos visions sur ces monuments. Voilà, je ne ferai pas plus long pour permettre au colloque de démarrer. Juste une dernière phrase pour remercier l'ensemble des organisatrices et des organisateurs, tant au Japon qu'en France, et pour vous souhaiter à toutes et à tous un excellent colloque. Merci. Merci. エリック・パロットさん、ジャン・フランソワ・ラニョさん、マルティン・レジェルさん、お言葉ありがとうございました。パリでご参加の皆様、おはようございます。日本からご参加の皆様、こんばんは。九州大学の河野俊幸と申します。今日3月14日、日仏合同チームが2年をかけて準備してきました。ウェブ展覧会パリノートルダム大聖堂と首里城2019年の火災を超えて復元と文化遺産の価値を考えるが開幕いたしました。ノートルダム大聖堂で火災が発生した2019年4月15日私はイコモスの用務のためにパリに到着しました。火災直後からフランスのみならずイコモスの国際ネットワークでも活発に議論がなされていましたが、私も当時のイコモス会長として何ができるだろうかと常に考えていました。それから間もなくしてブダペストでルネサンス美術の展覧会に行くチャンスがありました。それを見終わった後、新しいことを学べた、いろいろ考えることができたと実感したのです。その時ノートルダム大聖堂に関する展覧会を企画し、広く社会に提供し、文化遺産復元について考えてもらう機会を作るというアプローチに気づきました。2019年の秋、フランスイコモスの同僚たちに相談したら賛成してくれました。その翌月、首里城正殿が焼失したのでした。ゴチック建築の代表例で世界中で知られているノートルダム大聖堂と1992年に復元された首里城正殿は、それぞれの国における文化遺産としての法的位置づけも
材料や歴史など多くの違いがあります。他方で政治家から一般市民まで含めて社会の反応が極めて似ていると感じました。また学術的な調査レベルの高さにも注目すべきだと考えました。この時点でノートルダム大聖堂と首里城正殿を違いを確認し、しかし違いを超えた共通点を探りながら文化遺産保護の保護と復元の意味について深い洞察を可能にするという展覧会のコンセプトが見えてきました。幸いフランスイコモスの同僚たち、そして今日のパネリストでもある向井純子さんが賛同してくれました。2020年春からコンセプトを明確化する議論を始めました。なかなか大変な議論でした。それを受けて具体化作業を進めるため2020年後半から2021年までの春まではほぼ毎週、その後も実は今月まで毎月日本とフランスを結んで打ち合わせを行ってきました。彼らの共同がなければ展覧会の実現は不可能でした。それにズームがなくてもやはりできませんでした。この展覧会は日本語、フランス語および英語の3カ国語で作られています。そしてプロローグ、ルーム1、怪人、ルーム2、普遍性と変容、ルーム3、思いと記憶、ルーム4、復元とオーセンティシティ、そしてエピローグという5部で構成されています。この構成には複数のアプローチが織り込まれています。すなわち歴史的な研究を大事にする、歴史的な研究を大事にする、未来を見据える、社会との関係を重視する、国際的な視点を意識する、文化遺産の有形的側面と無形的な側面の両方をカバーするといった視点です。これらの視点をすべて網羅することで初めて文化遺産の復元の域が明らかになると考えています。この展覧会には多くの図や写真が掲載されていますのでクリックしてご覧ください。展覧会というコンセプトを堅持するためにメインページの字数を厳しく制限しています。必要な解説は図や写真の下に項目がありますのでこれをクリックしてください。説明がポップアップします。さらにポップアップにはリードモアがついているものがたくさんあります。リードモアをクリックしていただくとさらに多くの写真と詳細で専門的な解説が掲載されています。またルーム2とルーム3の間には文化遺産の実践と理論の発展という年表がありますが、この各項目にも解説がついています。すべてお楽しみいただければと思います。今日と明日の2日にわたるシンポジウムはこの展覧会の構成をベースに組み立てられています。文化遺産の保存と復元をめぐる重要な論点に関するいくつかの視点については先ほど述べましたが他にもあるかもしれません。これらの論点について議論し理解を深めることが本シンポジウムの目的です。特に復元については時間を多めにとって議論を深めたいと考えています。パネリストには本展覧会の学術委員会メンバーであるムートンさん、サンドロンさん、ブワスナさん、ガスパールさん、向井純子さん、それから展覧会のコンテンツ作成に協力してくださったウィルヌーブさん、サグネスさん、レジェルさん、シャウイデリューさん、ブルネさん、フロモンさん、ディディエさん、さらに首里城復元の学術面での責任者である高倉倉吉さん、日本の文化財復元に詳しいマルチネスさん、ベオレル・デュックに関する研究のある岡橋さんに参加いただいています。さらにノートルダム大聖堂からドゥルアンさん、そしてジョルジアン将軍からもメッセージを賜る光栄を得ています。司会は
シュナイダーさんと私が務めます。どうぞよろしくお願いいたします。最後に技術的なことをお話します。両日とも1時間のディスカッションの時間を設けています。ウェビナーの参加者の皆様で質問がある場合は、質問を Zoom の Q&A ボックスに書き込んでください。時間に限りがありますので、フランス側、日本側それぞれから5つずつ質問をお受けします。その後パネルディスカッションに移り、さらに時間が余れば再度ウェビナー参加者からの質問を受け付けます。時間が限られていますので、すべての質問をお受けすることはできない可能性がありますが、どうぞご理解をお願いいたします。それでは活発なご議論、有益なプレゼンテーションをお楽しみいただければと思います。ご清聴ありがとうございました。Nous allons continuer nos débats. Juste un petit point technique. Pour les personnes qui posent des questions, il faudra bien choisir de cliquer sur le bouton interprétariat, de façon à ce que ça soit clair pour les interprètes qui ont la gentillesse de nous aider dans nos travaux. Nous allons passer maintenant, Sitoshi, tu en es d'accord, à la première partie de notre matinée qui est consacrée à la perte. Donc, nous allons examiner d'abord le désastre qui s'est produit à Notre-Dame de Paris le 15 avril. Ensuite, le Japon prendra le relais pour nous éclairer sur le désastre qui s'est produit le 31 octobre de la même année au château de Churi au Japon. Je passe la parole à Philippe Villeneuve, qui est l'architecte en chef des monuments historiques en charge de Notre-Dame de Paris, qui a été la personne la plus traumatisée par cet événement, j'imagine. Philippe Villeneuve, c'est à vous. Merci, bonjour à tous. Je vais essayer de dresser rapidement un bilan du désastre qui a frappé la cathédrale le 15 avril 2019, en présentant le monument tel qu'il m'est apparu à la suite de l'incendie. Personnellement, c'est vrai que j'ai eu la chance, entre guillemets, de ne pas assister au désastre, mais je suis arrivé suffisamment tôt pour voir que la voûte de la croisée était encore en place, mais je savais très bien que quelques heures après, elle n'y serait plus, justement suite à la chute de la flèche. Alors, dans le PowerPoint qui devrait suivre, vous allez voir différentes photos. Donc, allez-y, si vous voulez, je passe par là. Voilà. Alors, vous avez donc sur la vue de gauche la flèche telle qu'elle apparaissait, on peut dire le 15 avril au matin, c'est-à-dire une plateforme d'échafaudage qui avait été mise en place pour enlever les statues de cuivre de Viollet-le-Duc, et opération qui a eu lieu le jeudi, et le lundi, eh bien, on a eu l'incendie qui a détruit la flèche, et vous avez sur la photo de droite ce qu'il restait de l'échafaudage qui a sauvé la cathédrale. Il faut bien insister là-dessus. Et puis, vous avez évidemment la disparition de la charpente et des trous qui apparaissent sur les voûtes. Donc, à la suite de l'incendie, donc, toute la charpente médiévale de la nef, du chœur, a été détruite, et ainsi que toute la charpente du 19e siècle, construite par Viollet-le-Duc, dans le transept, et donc avec la flèche et les charpentes on va dire traditionnelles à panne et ferme qui se sont effondrées. Et les trous que vous avez sur les voûtes sont en réalité causés non pas par les charpentes médiévales, puisque la cathédrale avait été conçue avec des voûtes prévues pour faire coup de feu, et donc pour recevoir éventuellement la chute des bois incendiés. Donc ça a parfaitement marché, mais les trous, en fait, ont été causés par les effondrements des structures 19e siècle, donc des bois beaucoup plus lourds, des structures beaucoup plus lourdes, avec des fermes, avec des pièces de bois très importantes, et c'est ça qui a causé les trous dans les voûtes. Alors, les différentes destructions sur les voûtes sont donc dans la nef. Vous avez sur la photo de gauche et celle du milieu le trou qui a été créé à la suite de l'effondrement de la partie supérieure de la flèche. Vous voyez que l'échafaudage a tenu en réalité la partie basse de la flèche, mais la partie supérieure, elle a basculé, et elle a basculé sur la voûte de la nef, et ensuite le coq s'est échappé en tombant sur le mur du trou. Donc
le coq s'est échappé, a échappé à la destruction, mais par contre, les bois ont percé la voûte, et vous avez au sol, sur la photo de droite, les amoncellements de bois de cette partie supérieure de la flèche qui vont avoir des conséquences, et c'est là qu'on comprend pourquoi les voûtes ont été conçues. Les voûtes ont été conçues pour servir de pare-feu, car si la masse de bois avait été plus importante, vous voyez que les deux piliers qui sont situés à droite commençaient déjà à être rubéfiés, atteints par le feu, et si le feu s'était prolongé, on aurait eu l'effondrement des piliers, donc l'effondrement de la cathédrale sur elle-même. Vous avez ensuite une destruction très importante qui est donc située à la croisée du transept. Toute la partie de la flèche qui était tenue, contenue par l'échafaudage s'est effondrée sur elle-même et a évidemment fait s'effondrer la voûte de la croisée. Voûte de la croisée que Viollet-le-Duc avait déposée pour pouvoir reconstruire sa flèche et rebâtir ensuite. Donc on a la flèche, en fait la voûte qu'on a ici était une voûte du 19e siècle, mais qui reprenait les dispositions du 18e siècle. Vous avez donc tout l'amoncellement ici des bois et de la voûte qui est en dessous. Ensuite, vous avez une troisième zone d'effondrement qui concerne le bras nord du transept. Et comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas la charpente médiévale qui a causé des effondrements, mais bien la charpente du 19e siècle. Et à cette partie-là, la charpente était constituée de fermes principales et ensuite de simples chevrons et de pannes. Et c'est l'effondrement d'une de ces fermes qui s'effondrant sur le voûtain et non pas l'arc-doubleau, a fait éclater le voûtain. Du côté opposé, transept sud, on a eu le même phénomène, sauf que la ferme s'est effondrée sur l'arc-doubleau et non pas sur le voûtain, et la voûte a ainsi été préservée. Ensuite, un dernier petit trou, si on peut dire, qui a transpercé la voûte du cœur, et ce sont les bois qui maintenaient la croupe, là où il y avait énormément de bois, qui ont perforé la voûte, et vous avez sur la photo du centre, la pièce de bois qui a perforé le petit voûtain. Et on constate l'épaisseur très fine de ces voûtes qui sont du XIIe siècle, qui font environ 15 à 16 cm. Alors immédiatement, la question qui se pose, ce n'est pas de savoir comment on va reconstruire, ce n'est pas de savoir est-ce qu'on va refaire la flèche à l'identique ou si on va refaire la charpente en bois ou que sais-je. Moi, en charge de la cathédrale, j'ai immédiatement pensé à sauver le monument des effondrements possibles et donc à faire une sorte de diagnostic très rapide. Et les premières choses qui ont été évidentes, c'était qu'il fallait protéger les pignons, ce que vous voyez sur la photo de gauche. Toute la charpente avait brûlé, le revers de ce pignon était calciné et on avait signalé qu'un basculement avait eu lieu lors de l'incendie. Donc évidemment, immédiatement, il a fallu faire venir des bois qui sont arrivés la nuit suivante. C'est-à-dire le 16 au soir, des grandes poutres en bois sont arrivées et 3-4 jours après, le pignon était dans l'état où vous le voyez sur la petite photo du milieu. Et on a mis pour cela des grandes poutres en lamellé-collée avec lesquelles on a pu mettre un plancher. Ensuite, vous avez eu d'autres incidents, la galerie des Chimères, dont il a fallu déposer les sculptures qui étaient des œuvres de Viollet-le-Duc et qui avaient été rubéfiées. Ensuite, nous avons fait de même pour le pignon nord, c'est-à-dire qu'on a mis des contre-fiches pour éviter que le pignon s'effondre. Ensuite, les piliers dont je vous ai parlé tout à l'heure ont fait l'objet d'un fretage pour éviter justement qu'ils s'affaissent, qu'ils s'écroulent sur eux-mêmes. Ensuite, vous avez surtout la préservation des voûtes pour éviter que la pluie ne tombe dessus et n'aggrave encore les désordres. Donc, on a fait appel à des cordistes. Et l'incendie a lieu le lundi et les bâches que vous avez sur cette photo à droite ont été posées le vendredi soir. Et il a plu le vendredi soir. On a ensuite déposé tous les vitraux de la cathédrale. Ensuite, on a déposé, on peut dire, l'icône de la cathédrale qui a été miraculée, c'est-à-dire la Vierge du Pilier, qui est une Vierge du XIVe siècle, qui autrefois a été posée, vient de la chapelle Saint-Aignan, qui était une chapelle à côté de la cathédrale. Cette statue, qui est le symbole de la cathédrale, était avant les restaurations de Viollet-le-Duc sur le portail sud de la façade ouest, et il a été posé contre le pilier de la croisée par Viollet-le-Duc. Ensuite, il a fallu évacuer les gravats qui se sont effondrés, donc on a fait appel à des robots, on a trié les objets de bois, les objets de fer, les objets de pierre, et en plus, on l'a fait faire par des robots, puisqu'on ne pouvait pas aller sous les voûtes du fait qu'on ne connaissait pas leur état, puisqu'on ne pouvait pas les approcher ni par le dessus ni par le dessous. Donc, tous ces éléments-là ont fait l'objet de tri pour préparer éventuellement la restauration et en tout cas pour documenter
tout le travail scientifique. Les fouilles, enfin pas les fouilles, l'enlèvement de tous ces gravats a été fait par le LRMH, par des chercheurs, par des historiens, par également la police scientifique, et ça sert en réalité de base de recherche à tous ces chercheurs qui gravitent autour de la cathédrale et qui sont là pour nourrir la cathédrale, et la cathédrale les nourrit elle-même. Donc c'est un échange permanent qu'il y a entre les chercheurs et la cathédrale et les architectes. Ensuite, il y a eu la mise sur cintre de tous les cintres, tous les arcs-boutants de la cathédrale. La cathédrale de Paris possède des arcs-boutants qui sont d'une extrême audace, avec 15 mètres de portée et simplement à la tangente, une simple épaisseur de 60 cm. Les cintres que vous avez sur cette photo ont été dessinés sur mesure avec une petite marge de 5 cm, non seulement pour les aider à passer sous les arcs, mais en même temps pour pouvoir placer ensuite les coins de bois pour maintenir les arcs sans les mettre en compression. Mais ils ont été placés pour le cas où la voûte s'effondrerait et que les arcs-boutants ne poussent pas les murs au vide. Donc, ils auraient transformé ces arcs-boutants en simples murs verticaux. Cette opération a été absolument formidable parce que vous voyez sur la deuxième photo du haut un palonnier, donc un contrepoids en métal qui est fixé sur le cintre. La grue ensuite le prend, elle l'amène parfaitement vertical et le fait coulisser sur le côté et vient ensuite prendre sa place sous l'arc-boutant. Et aucun trou n'a été fait dans les maçonneries, tout a été moisé et simplement boulonné. La suivante. Vous avez ensuite le dispositif de plancher bois qui a été posé sur les murs vitraux, non seulement pour mettre une toiture plus résistante que la simple bâche qu'on avait posée, mais également en prévision des travaux de reconstruction et avant tout cela, nous permettre de faire le diagnostic sur les voûtes. Car le diagnostic n'a pu se faire que par le dessus des voûtes, vu qu'on ne pouvait pas aller dessous pour des risques d'effondrement. Il a fallu donc se suspendre à ces planchers de bois et faire le diagnostic. Alors, enlever les éléments de bois, les éléments de métal, tout cela fait par des archéologues, par des chercheurs, et également la police. Et puis, nous avons ensuite pu bénéficier de la vue sur les voûtes. Ça doit être la photo suivante. Nous avons pu faire ainsi le diagnostic de l'état des voûtes, une fois qu'elles étaient débarrassées, voir les zones de fragilité, mettre des cataplasmes à certains endroits très fragiles pour bloquer toute chute et surtout éviter que des personnes se trouvant en dessous prennent un caillou. Et on a eu des chutes de pierres après l'incendie, dues essentiellement d'ailleurs au gel ou à l'extrême chaleur lorsqu'on a eu des canicules. Donc il était urgent de pouvoir bien bloquer les franges de la voûte. Et c'est ce qu'on a fait ici. Donc, on a pu faire une cartographie des zones qui étaient fragiles, des zones qui étaient plus solides. Et ainsi, une fois que les zones étaient préconsolidées, on a pu lancer les ouvriers, les compagnons, sous les voûtes pour monter les échafaudages. On a eu ensuite un énorme problème qui était le gros échafaudage de la croisée qui a résisté pendant 2 ans. Et on a mis en place tout un protocole pour pouvoir le déposer sans dommage. Bien sûr. Où on voit progressivement, on a dû cercler cet échafaudage à l'extérieur, à l'intérieur. Ensuite, par des nacelles et par des grues, on a pu aller grignoter cet échafaudage jusqu'à dégager les arases. Et ce faisant, on a ensuite dégagé les pieds de voûte de la croisée. Et là, découverte très intéressante, dont on n'avait pas vraiment pris conscience, même si on le voyait dans certains documents de Viollet-le-Duc, on a mis à jour dans les extrados, dans le rein des pieds de gerbe de la voûte du 19e siècle, donc de la croisée, les piles sur lesquelles Viollet-le-Duc est venu poser sa nouvelle flèche. Alors, c'est assez émouvant de voir ça, parce que c'était complètement dissimulé par les maçonneries, et vous avez donc une pierre polygonale avec une table de plomb et ensuite les bois du tabouret de la cathédrale, que la flèche venait se poser dessus. Alors, une fois que tout ça était sécurisé, on a pu bâtir les échafaudages à l'intérieur de la cathédrale, donc qui se transforme maintenant en cathédrale de fer. Et ensuite, on a pu mettre en place les cintres sous les voûtes du chœur, avec toujours pareil, des éléments de bois qui sont dessinés au millimètre près, parce que nous bénéficions, il faut le savoir, d'un relevé absolument précis des voûtes de la cathédrale. Et on a pu ainsi dessiner très facilement le dispositif des cintres. Puis ensuite, on a pour terminer protégé
quasi définitivement la cathédrale par un parapluie qui va nous permettre de rebâtir la charpente et de reconstruire la flèche. Et je vais pousser la dernière. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre intervention. Nous allons passer la parole. Parfait, le timing est absolument parfait. Soyez félicités. Nous allons passer maintenant la parole à nos amis japonais. Toshi. ありがとうございました。私はそれでは2019年10月31日に起こったことについてお話をしたいと思います。今お示ししておりますのは先ほど申し上げた展覧会の一部です。10月31日午前2時34分防犯設備の人感センサーが鳴りました。1分後、警備員が正殿の北シャッターを開けて内部の状況を目視しました。すでに黒い煙が充満していました。火災を察知した警備員は消火器を取りに方針門という門に戻りました。そして再び正殿に向かい、正殿の正面から炎が噴出しているのを見ました。彼は消火器を使用して初期消火を試みましたが、消火できませんでした。2時40分、火災報知器が発報します。2時41分、警備会社が消防に通報しました。2時48分、消防隊が到着しました。通報から7分後でした。午前3時5分、放水が開始されました。正殿内部はすでに燃え盛り、開口部からは炎が噴出していました。フラッシュオーバーという現象が起こった可能性があります。これは屋内で火災が起こり温度が上がってくると可燃物自体が同時に着火し始める現象です。こうして同時多発的に燃焼が起こってしまう。そして炎症が拡大し、さらに炎症、フラッシュオーバーということがどんどんと繰り返して起こっていきます。それゆえ消火にあたっては大変な長期戦になってしまうわけです。活動開始から30分、強烈な放射熱の影響で中庭で放水していた消防隊員は撤退せざるを得ませんでした。午前4時23分正殿が崩落します。そして隣接建物にも炎症が進みました。初期消火ができずに火が広がりますと、火元の建物は極めて大きな火の塊になります。さらに北殿と南殿が正殿に隣接し炎症しやすい造りだったと思われます。もう一つ、正殿からつながっている油印地という建物、国王と家族の食事を準備した建物とされていますが、これが全部回廊でつながっています。いわば密集した市街地のような構造になっていたわけです。それで建物全体が炎症しやすい構造になっていました。加えて首里城は標高120メートルの高台で風の影響を受けやすいところに位置しています。さらに城壁に囲まれた首里城への侵入口は限定されており、首里城直近にある2つの防火水槽から取水して放水するには城壁を迂回しながらホースを延長する必要があるため大変時間がかかりました。
注水後も火災の勢いは止まらず、炎が渦巻き状に立ち上がる火災旋風がたびたび発生します。猛烈な輻射熱の影響で消防隊は何度も一時避難を強いられました。放水銃の蓋が開かない、ホースが焼損するといった事態も発生し、消火活動は困難を極めました。午前11時、火災は鎮圧、午後1時30分鎮火。この間、消火活動に当たった消防士は総勢219名、消防車両60台に及びました。2019年2月、正殿東側の大内原エリアの復元を終えて、30年以上の歳月をかけて進めてきた復元整備に一区切りついた矢先に起こった大規模火災でした。翌11月1日から警察と消防による合同現場検証が開始されました。調査は数ヶ月に及びましたけれども、火災原因の特定には至りませんでした。正殿の北東部分から発生したと思われる火災は、正殿を灰にし北東の風にあおられて、北殿、南殿など隣接する6つの建物を全焼させました。展示品の多くは焼失し、建物の2つの収蔵庫に保管されていた工芸品や資料の一部も輻射熱と放水によって損傷を受けました。その結果、1510点のうち沖縄県指定文化財を含む391点の工芸品や資料が失われました。火災当日、菅官房長官、当時の菅官房長官は首里城再建に早期に取り組むことを表明しました。玉城デニー沖縄県知事は出張先の韓国から急遽帰国し、火災当日午後2時半に首里城の再建を視野に入れた首里城火災対策等本部会議を設置しました。2019年12月、国は首里城復元に向けた技術検討委員会、高良倉吉委員長を設置し、防災、木材、瓦類、彩色、彫刻の3つのワーキンググループを立ち上げました。2019年12月、沖縄県は基本的な考え方7項目をまとめ、有識者懇談会を経て2020年4月に首里城復興基本方針を発表します。基本方針で示した施策の具体的な方向性と計画的な推進を目的とした首里城復興基本計画が2021年3月に発表されました。2031年までの全体計画の中で、正殿の復元は2026年の完成が予定されています。また2020年2月、首里城火災にかかる再発防止検討委員会を設置し、2021年3月には再発防止策等報告書が公表されています。首里城の火災のその日、フランスのパリ消防旅団からお見舞いの手紙が届きました。沖縄の人たちはすごく励まされた、そういう手紙がパリから届きました。ありがとうございました。Merci beaucoup, Toshi. Nous allons continuer, si vous le voulez bien, en nous penchant un peu sur l'histoire de ces deux monuments que nous connaissons
pour les Français, pour Notre-Dame de Paris, un peu, pour les Japonais, pour le Château de Souris, beaucoup, mais en tous les cas, ce sera bien d'avoir des échanges entre nous sur l'histoire de ces deux monuments qui sont emblématiques pour chacun des deux pays. Juste un petit point technique, est-ce que vous nous recevez parfaitement bien au niveau du son, au niveau de l'image? Est-ce que tout va bien pour le Japon? Nous, c'est très bien en France. Ok, vous nous laissez un petit instant, on va regarder ça. Merci beaucoup. C'est pour ça que je réagis à ça. Nous, on a un système qui suppose que nous soyons parfaitement silencieux, ce qui est le cas, donc il n'y a pas de bruit de fond en fait. Je m'interroge un peu. Écoutez, on va essayer de parler un peu plus fort, de façon à ce que vous nous entendiez parfaitement bien, et de procéder à quelques réglages. Vous nous donnez les informations pour savoir si tout est rentré dans l'ordre? D'accord. Nous enchaînons donc sur la partie historique, d'abord de Notre-Dame de Paris, puis du château de Souris. On va commencer par Notre-Dame. Et je vais passer la parole à un grand historien spécialiste de Notre-Dame de Paris, Dany Sandron. La parole est à vous. Merci. Parlant un petit peu fort, apparemment, pour que la perception soit bonne. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais donc vous dresser rapidement l'histoire de plus d'un demi-millénaire de Notre-Dame de Paris depuis les années 1160 jusqu'au début du 19e siècle. Donc, une cathédrale qui, évidemment, a été construite au cours de plusieurs générations. Comme le montre ce plan, je ne vais pas détailler avec les principales phases de construction, depuis le chœur, donc à l'est, ici à gauche, sur la photo comme sur le plan, jusqu'à l'ouest, avec la façade occidentale. Et un monument qui est resté en chantier sur pratiquement deux siècles, depuis le début de la construction, jusque dans la deuxième moitié du XIVe siècle. Alors, si on s'attache un peu plus en détail à cette phase donc, de l'histoire de Notre-Dame, on peut voir donc, le projet initial, donc, défini au début des années 1160, a lui été réalisé en à peu près 80 ans, jusque dans les années 1240. Voilà, ici schématiquement représenté le plan de ce projet initial, donc un édifice de très grande ampleur, à peu près 120 mètres de long, avec un vaisseau principal bordé de doubles bas-côtés sur toute sa longueur, et entrecoupé à peu près au milieu de son développement par un vaisseau transversal, ce qu'on appelle un transept, ce qui donne le plan en croix de l'édifice. L'élévation, c'est-à-dire la composition verticale de l'édifice dans le vaisseau principal, comportait initialement quatre niveaux, des grandes arcades au-dessus de vastes tribunes. Au troisième niveau, des ouvertures circulaires qu'on appelle des oculi, des yeux en latin, et enfin des fenêtres hautes qui sont placées juste au-dessous des voûtes d'ogive. Donc cette technique de couvrement, donc typique de l'architecture gothique, qui ici est généralisée à l'ensemble de l'édifice. À l'époque de sa construction, Notre-Dame est le monument le plus élevé, avec des voûtes qui dépassent 30 mètres de hauteur et qui en font un véritable record, ce dont d'ailleurs les contemporains ont parfaitement conscience. Alors, suivante, le chantier, comme je vous l'ai dit, a progressé d'est en ouest. Ici, une modélisation du cœur de la cathédrale, donc achevée et consacrée en 1182. À cette date, évidemment, isolée du reste du chantier qui se développe encore à l'ouest. Suivant. Un chantier qui progresse donc jusqu'au début du XIIIe siècle avec l'amorce de la façade occidentale. Et donc, vers 1225 à peu près, l'achèvement
quasi effectif, donc de la nef et de la façade occidentale jusqu'à la hauteur du grand comble, donc au sommet du niveau de la rose. On voit quand même que déjà des transformations s'opèrent et Notre-Dame va rester un chantier en perpétuelle modernisation, si l'on peut dire, jusqu'au XIVe siècle. Ici, sur cette modélisation, on aperçoit donc la transformation des fenêtres hautes, donc le dernier niveau du haut vaisseau, dans le chœur, des fenêtres qui sont agrandies, ce n'est pas encore le cas ici dans la nef, par suppression du niveau des ouvertures rondes, des oculi, afin d'accorder plus de lumière à l'intérieur de l'édifice, en même temps que le système de contrebutement, donc très hardi, est transformé avec une combinaison avec le système d'évacuation des eaux de pluie du Grand Comble. C'est assez célèbre, évidemment, avec la réputation des gargouilles, ces éléments de pierre en très forte saillie qui rejettent les eaux de pluie au-delà des contours de l'édifice, donc à l'extrémité des arcs-boutants. Donc, vers 1245, la cathédrale, le gros œuvre du projet primitif est achevé avec l'achèvement des tours de la façade occidentale, donc une façade très monumentale, donc typique de ces grandes façades d'édifices gothiques à deux tours, une combinaison de trois portails et un niveau médian centré sur cette grande rose. On a commencé également à cette époque-là l'adjonction de chapelles latérales pour répondre donc aux transformations de la liturgie, la multiplication des fondations de messes dans la cathédrale. On va avoir jusqu'à plus d'une centaine de messes célébrées quotidiennement dans la cathédrale à la fin du Moyen-Âge, ce qui nécessite la multiplication des autels, évidemment, pour la célébration de ces offices. Et sur la modélisation, on aperçoit les chapelles déjà construites le long de la nef. Le principe sera poursuivi dans le chœur et le déambulatoire jusqu'au début du XIVe siècle. Suivant. Une des grandes transformations de la cathédrale consiste dans l'allongement des bras du transept, donc ce vaisseau transversal qui dessine le plan en croix de la cathédrale, avec à partir de 1258 la construction de nouvelles façades. Ici, la façade du bras nord du transept avec un portail qui se combine avec une composition en polyptyque à cinq éléments. Et puis, ce qui est évidemment tout à fait spectaculaire, la construction de grandes roses avec un réseau de pierres d'une finesse extraordinaire, évidemment une composition de vitraux qui, par chance, nous sont parvenus. Ce sont, à l'époque de leur construction, donc dans les années 1260, les plus grandes roses jamais construites avec un diamètre de 13,50 m à peu près. La façade du bras sud est contemporaine. Voilà une photo avant les restaurations du XIXe siècle, avec une rose qui a conservé aussi une partie de sa vitrerie ancienne. Ces deux façades sont l'œuvre de deux architectes, les premiers noms qui nous sont fournis de la maîtrise d'œuvre de Notre-Dame, Jean de Chelles, dont le nom est gravé au pas de cette façade du bras sud du transept, et son successeur, Pierre de Montreuil. La suivante. Vous voyez ici une modélisation de l'extérieur de la cathédrale vers 1300 avec la poursuite de la construction des chapelles latérales et puis évidemment la construction d'une flèche, la première flèche médiévale. Suivante. Ici une représentation schématique qui a été dessinée, peinte sur différents documents, comme ici en haut à gauche, dans le milieu du XVe siècle de Fouquet, une flèche qui culminait à plus de 80 mètres de hauteur et qui est antérieure à la fin du XIIIe siècle, sans doute pour montrer que la cathédrale détient toujours la première place dans le paysage monumental de Paris, quelques années seulement après l'achèvement de la Sainte-Chapelle qui, dès le départ, sa consécration en 1248 comportait une flèche sans doute un peu plus haute que les tours déjà construites de Notre-Dame de Paris. Suivante. La dernière grande transformation de l'architecture de Notre-Dame au Moyen-Âge, c'est la transformation des toitures des chapelles rayonnantes, du déambulatoire et des tribunes. Dans le troisième quart du XIVe siècle, on supprime donc les toitures de charpente couvertes en voûte de tuiles pour les remplacer par des terrasses
constitué de dalles en pierre. C'est ce qu'on appelle le grand œuvre à l'époque, Opus Magnum, qui est l'œuvre du grand architecte Raymond du Temple dans les années 1360-1370. La suivante. Alors, dès lors, Notre-Dame connaîtra peu de transformations architecturales. En revanche, évidemment, le mobilier de la cathédrale, le décor du sanctuaire, du chœur liturgique, et puis le décor de toutes les chapelles, va subir de profondes transformations. Ici, cette peinture de la fin du XVIIe siècle vous montre évidemment cette multiplication de ces grands tableaux offerts par des confréries, ce qu'on appelait les mets de Notre-Dame, parce que tous les ans, au mois de mai, le mois de la Vierge, le mois de Marie, eh bien, les confréries offraient de grands tableaux illustrant des scènes de la vie de la Vierge et qui prenaient place dans la cathédrale. Suivante. La grande transformation du mobilier de Notre-Dame à l'époque classique et évidemment celle de la projection complète de l'autel principal, l'autel majeur, au fond du sanctuaire, ce qu'on appelle le vœu de Louis XIII, puisque ce roi donc, avait consacré, placé son royaume et sa couronne sous la protection de la Vierge, dans l'espoir d'avoir un héritier, qui est arrivé peu de temps après, en 1638, et c'est son fils, donc Louis XIV, qui a mis en place ce nouvel autel avec les deux statues de roi, Louis XIII, Louis XIV, de part et d'autre d'une Pietà, donc d'une représentation de la Vierge portant sur ses genoux le Christ mort. C'est l'autel tel qu'il nous est parvenu avec hein, des modifications au XIXe siècle. Le XVIIIe siècle avait profondément modifié Notre-Dame par la suppression de tous les vitraux remplacés par du verre blanc, sauf pour les trois roses. On voit également des transformations liées aux impératifs liturgiques avec des mutilations du portail central de la cathédrale, suppression de son trumeau, par l'architecte Soufflot, l'architecte du Panthéon, à la demande du clergé. Évidemment, tout cela se termine avec le vandalisme révolutionnaire qui clôt donc le XVIIIe siècle avec la destruction notamment de toutes les grandes statues des portails. Ce qu'on peut voir ici à droite sur ce daguerréotype, donc antérieur aux restaurations de Viollet-le-Duc, par comparaison avec un dessin assez précis. Réalisé en 1699 par le géomètre Antier et conservé à la Bibliothèque nationale. Suivante, Notre-Dame, donc après l'épisode révolutionnaire où la cathédrale a été fermée pendant 2 années, puis affectée à un culte donc, de l'être suprême philanthropique, retrouve donc ses fonctions premières donc, d'église catholique avec la signature du concordat avec la papauté, donc en 1802, et quelques temps après, le 2 décembre 1804, évidemment, cette fastueuse cérémonie du sacre de Napoléon dans la cathédrale, en présence du pape Pie VII, qui a rassemblé à peu près 10 000 personnes, avec des aménagements de tribunes dans les bas-côtés, dans les tribunes de la cathédrale, pour accueillir cette foule de personnes. Et évidemment, on renouait ainsi avec les grandes heures historiques de Notre-Dame, hein, qui a été fréquentée plus que n'importe quelle autre église par les rois de France depuis le XIIe siècle. Et ce lien étroit de la cathédrale avec l'histoire de France s'est poursuivi jusqu'à nos jours. En conclusion, je dirais que les travaux de restauration actuels et les opérations de recherche qui y sont liées permettent de préciser certains aspects de l'histoire de la cathédrale. Et je citerai juste la découverte toute récente ces dernières semaines, donc à la croisée du transept qui fait l'objet de fouilles archéologiques, de vestiges du jubé du XIIIe siècle, donc cette clôture qui isolait le chœur liturgique de la nef fréquentée par les fidèles. Et c'est évidemment une découverte majeure qui renouvelle complètement notre vision des choses sur le dispositif liturgique de Notre-Dame et plus largement sur l'histoire de l'art à l'époque gothique, dont Notre-Dame, évidemment, représente un chef-d'œuvre absolu. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dany. Nous allons continuer à parler de l'histoire de Notre-Dame et je vais passer la parole à Benjamin Mouton qui va nous parler de la grande restauration du XIXe siècle. Benjamin, c'est à toi. Bonjour à tous. Au début du XIXe siècle,
suivant. Au début du XIXe siècle, après les défaillances du XVIIIe siècle et les turbulences de la Révolution, Notre-Dame est un monument très altéré par les dégradations, le manque d'entretien, les interventions maladroites. Il s'agit de la sauver, mais devant l'importance de la dépense, on songe aussi à la démolir. Vers 1815, le mouvement littéraire appelé mouvement romantique prend de l'importance. Par opposition au rationalisme scientifique du XVIIIe siècle, il exalte les valeurs de spiritualité, de sensibilité et la nostalgie des racines médiévales. Le roman Notre-Dame de Paris, écrit par Victor Hugo en 1831, est un des chefs-d'œuvre de ce mouvement. C'est un succès populaire considérable qui éveille les consciences et l'opinion publique en faveur de l'art du Moyen-Âge et de Notre-Dame en particulier. La décision politique de sauver Notre-Dame est adoptée. Le concours d'architectes est lancé en 1842. Jean-Baptiste Lassus et Eugène Viollet-le-Duc sont déclarés lauréats. La grande restauration commence en 1844 et se terminera 20 ans plus tard en 1864. Le 19 juillet 1845, le Parlement vote le budget de la restauration. Et ça, c'est un événement considérable, puisque la conservation de la cathédrale n'est plus de la responsabilité de l'Église, elle devient la responsabilité de l'État au nom de l'intérêt public. Le programme des travaux assigné par l'État est en trois points, et je cite les termes de cette assignation. Travaux urgents de réparation, travaux de rétablissement et travaux d'embellissement. Les travaux de réparation, c'est la réparation des façades, le remplacement des pierres altérées à l'identique, c'est des réparations au niveau de la charpente, c'est la réfection des toitures en plomb, c'est le renforcement structurel du cœur par deux ceintures en fer, extérieures et intérieures, en remplacement des agrafes qui avaient été introduites au XIIIe siècle en couronnement des corniches, et qui étaient corrodées. Renforcement du pignon sud, du transept par des tirants horizontaux en fer, des étais verticaux en fonte sous la rose, et reconstruction de la rose et du gable au-dessus qui était très affaissé. Ensuite, les travaux de rétablissement. On dirait aujourd'hui travaux de restauration ou de restitution. Restauration de la façade ouest, la plus altérée. Là, on voit la maquette de Jean-Baptiste Galluzzo de Villepin, de 1843, qui montre l'état du portail central éventré par Soufflot en 1771. La statuaire de la Galerie des Rois et des portails détruite à la Révolution, donc qui a disparu. Le portail central, tel qu'il est en 1855, après avoir été restauré par Viollet-le-Duc. Viollet-le-Duc restaure le tympan, il restaure le trumeau, il restitue les statues des trois portails et les statues de la Galerie des Rois au-dessus. Et il rétablit ainsi la façade occidentale dans toute sa majesté. 1851, c'est la reconstruction des deux grands beffrois de 25 mètres de haut dans les tours occidentales, en réutilisant au sud les bois de l'ancien beffroi du XVIIe siècle portant le grand bourdon. Avec le rétablissement des verrières colorées détruites par le clergé, Viollet-le-Duc rétablit la lumière de l'architecture gothique sur le modèle des verrières du XIIIe siècle qui existait encore, en particulier à la cathédrale de Bourges. La flèche du XIIIe siècle réparée au XVIe siècle avait été démolie en 1793 pour des raisons de péril. Bien que mal documentée, elle avait pourtant été prévue dans le projet de restauration de Lassus et Viollet-le-Duc en 1843. Et sa reconstruction de 1857 à 1859, et en quelque sorte l'illustration de la méthode de travail de Viollet-le-Duc en trois étapes.
Approche historique d'abord. Déposant la toiture à la croisée de transept, Viollet-le-Duc découvre les vestiges de la flèche initiale et il en rétablit les dispositions constructives et dimensionnelles. Approche structurelle ensuite. Observant sa structure, il comprend la cause des défaillances qui ont entraîné la déformation de la flèche vers le sud-est et il en déduit en quelque sorte ce que les charpentiers du XIIIe siècle auraient pu adopter pour l'éviter. Approche architecturale enfin. Déjà au XVIIe et XVIIIe siècle, la petite dimension de la flèche du XIIIe siècle avait surpris bien des artistes qui en quelque sorte l'avaient étirée en hauteur pour la mettre davantage à l'échelle de la cathédrale. En définitive, c'est ce que fit Viollet-le-Duc en l'allongeant la flèche de près de 13 mètres, en s'inspirant notamment aussi de celle de la cathédrale d'Amiens dont il s'occupait de la restauration. Enfin, il couronna les poteaux structurels par des statues des 4 évangélistes et des 12 apôtres. Les travaux d'embellissement, pour finir, en 1848, la sacristie médiévale, reconstruite par Soufflot en 1758, incendiée lors du sac de l'archevêché en 1831, était à reconstruire. Sur la demande de l'État, la nouvelle sacristie a pris modèle sur le déambulatoire du chœur de la cathédrale. C'est le rétablissement des pinacles et de la statuaire fantastique détruite en 1787. Cette reconstruction a donné libre cours à la fois à l'imagination de l'architecte, on voit les croquis qu'il avait établis pour ça, mais aussi à l'imagination des sculpteurs. C'est le rétablissement de la polychromie traditionnelle de l'architecture gothique et du mobilier liturgique. Alors, quels commentaires est-ce qu'on peut formuler sur ces grands travaux? On accuse souvent Viollet-le-Duc et Lassus d'avoir été trop loin. Rappelons d'abord que l'état de la cathédrale était très délabré. Il est absolument incontestable que d'importants travaux étaient nécessaires. D'ailleurs, on peut difficilement en mesurer l'importance. On va souligner quand même trois aspects. D'une part, les travaux de réparation ont fait appel avec une grande fidélité aux matériaux et techniques constructifs traditionnels de la cathédrale médiévale. En ce qui concerne les travaux de renforcement, ils ont fait appel aux techniques et matériaux fer et fonte du XIXe siècle. Enfin, les travaux de création ont donné la priorité à l'harmonie de l'architecture. Alors, on ne manquera pas de trouver des similitudes avec la Charte de Venise et notamment les articles 10 sur les techniques traditionnelles et les techniques modernes, l'article 12 sur l'intégration harmonieuse des additions à l'ensemble de l'édifice et l'article 13 sur le respect des parties existantes intéressantes de la composition générale. Ce qui pourrait nous amener à penser que ces travaux ont été en quelque sorte préfigurés un siècle à l'avance, notre cadre doctrinal de conservation, c'est-à-dire la Charte de Venise. Et surtout, ils auront parachevé une icône architecturale universelle. Merci. Merci beaucoup, Benjamin. Nous allons maintenant passer la parole à nos amis japonais qui vont nous retracer l'histoire de leur château de Shuri. Toshi, et Junko, est-ce que vous nous entendez? Konnichiwa, minasan. 私の方からは首里城の歴史について簡単にご説明させていただきたいと思います。首里城というのはちょっとご紹介したいんですけれども、このように那覇の港を見渡せるこの高台に立っておりまして、幾重にも張り巡らされた城壁に囲まれています。でその中心的な建物がこの正殿というものになります。で、この首里城というのは琉球王国の城であり、城のできる前の歴史についてちょっとお話をしたいと思います。まず琉球王国の成立なんですけれども、
まあ、あの貝塚時代を経て11世紀に農耕を基盤とするグスク時代、これは、群雄割拠の時代です。それを得て14世紀ごろに三山、三つの国ですね、それにまとまってきて、まあ、それぞれの国が中国との札幌朝貢関係を始めます。で、15世紀になって琉球王国というものが成立するんですけれども、この三山のうちの一つ中山というところが、他の国をまとめて琉球王国が成立します。で、その後は周辺 の、 あの島々をこう支配していくようになります。で、琉球王国の統一というのは1429年なんですけれども、まあ、この前後ぐらいに首里城が整備され、アジアにおける中継貿易の拠点としてその後繁栄をしていきます。この中継貿易の拠点ということなんですけれども、これは当時の中国明ですね、明が解禁策というのを取っておりました。これは私の貿易を禁止するというそういう方針です。その代わりにこの札幌朝貢関係において、この朝貢体制というのは公の貿易ということになりますが、これを通じて、まあ、貿易をするんですけれども、この体制の中で琉球王国というのは中継貿易の拠点というふうに明から見なされて、積極的な貿易で栄えていきます。ところは、1609年に薩摩藩による琉球侵攻というものが起こります。薩摩藩というのは、徳川幕藩体制の中で、の一つの藩ですけれども、まあ、一番南の方に位置する藩です、まあ、つまり琉球王国に一番近い藩ということになります。で、薩摩藩の実効支配下に置かれるんですけれども、この実効支配下というのは、まあ、つまり、薩摩藩に税金を納めなければいけない。で、薩摩藩から役人が琉球王国に駐在すると、そういうことになります。ただ明とその後の清ですね、中国との薩法朝貢関係も維持していきます。それで、独立は保っていきます。で、そんな中で、華やかな外交儀礼の舞台として首里城というのは拡張、どんどん拡張され、改築され、で修理が繰り返されて、さまざまなその中で美術工芸や芸能を生み出していきました。ただここで一つ、注意しておかなければいけないのは、まあ、こういう華やかな舞台の首里城を支えていたのは、農村や、離島の民衆たちだったということです。当時の、沖縄の、まあ、琉球の民衆は、薩摩への税も払わなければいけない、で、琉球王府への税も払わなければいけないということで、まあ、苦しい生活を送っていたとされています。で、1879年になると、今度は、まあ、琉球処分と一般的に言われていますけれども、まあ、当時、江戸、まあ、徳川幕藩体制から明治政府という新しい政府に変わります。この明治政府によって琉球という国が廃されて、沖縄県が設置されることになります。これによって首里城は明け渡され、まあ、つまり国王は首里城から出ていく。それで、明治政府が派遣した熊本鎮台文献隊という、兵舎に供されて、まあ、荒廃していくという過程をたどります。で、あまりにも荒廃していったので、この正殿の取り壊しというものが決定されてしまうんですけれども、まあ、当時、伊藤忠太という、まあ、建築をやっている方には有名な方ですけれども、これと鎌倉芳太郎という方がいらっしゃって、この方はこの少し前に沖縄県で、学校の先生をしながら、
琉球の文化について非常に熱心に調査をされた方です。この方の尽力で、まあ、あの取り壊しそのものは回避されます。でその後、古社寺保存法という法律によってこの正殿を沖縄神社拝殿として特別保護建造物に指定します。この古社寺保存法というのがお寺とか神社を保存する法律だったものなので、この沖縄神社拝殿という名前に変えてこれは指定をしたということです。でその後にあの国宝保存法という法律が変わってからは国宝に指定されました。で1920年代後半から30年代前半にかけては沖縄神社拝殿としての修理工事が行われます。1945年沖縄戦と沖縄戦によって首里城は完全に破壊されます。これはどういうことかというとこの第二次世界大戦の末期ですけれども沖縄を本土防衛のために要塞化していく過程でこの第32軍司令部壕というものがこの首里城の地下に作られます。まあ、そのために砲爆撃によって首里城は壊滅するということになります。でその後、沖縄はこの米軍の上陸とともにその施政権下に置かれて戦後は太平洋の要岸として恒久的な基地が建設されていきます。まあ、それでこの基地というのは現在の沖縄にもまだたくさんあります。で1951年サンフランシスコ平和条約によって、日本は、その施政権を、まあ、取り戻すんですけれども沖縄はまだ米軍の統治下に置かれます。でここで、琉球沖縄の歴史と、まあ、首里城のに起こった出来事を簡単にまとめてみたんですけれどもその琉球王国が統一され、薩摩の琉球侵攻を受けても、まあ、王国として存続している間は王府として、何回も再建されたり、大規模な修理工事を受けたりしてこれはもう外交の拠点としての威容を整えるということだったと思います。ところが、琉球処分になってからはここで大きく状況が変わるんですけれども琉球処分の前というのはたとえその薩摩の実効支配下に置かれていたとしても薩摩としても、異国を従えているというそういう、体制を取りたかったのでこの沖縄の文化というのは非常に、盛んだったんですけれども琉球処分を受けてからは日本への同化ということが始まります。で、まあ、荒廃して文化財指定を受けて修理をされてということを得た後に沖縄戦で破壊されてしまう。でその後その、琉球城首里城の跡地には琉球大学が建設されます。で沖縄が本土に復帰した1972年ぐらいから首里城の再建についての、まあ、議論が活発になっていくんですけれどもその73年には首里城、復元規制会というものが結成されて、その平成の復元につながっていきます。まあ、このように沖縄の琉球沖縄のこの中国と日本との関係性の中で首里城というのは非常に複雑な波乱万丈な歴史をたどってきたということが言えると思います。まあ、それをこうした歴史を踏まえた上でこの平成の首里城復元について高倉倉義さんからお話をいただきたいと思います。
はい、琉球大学の高倉倉司です。今日はこのような場でフランスの皆さんに首里城のことを説明し、お互いにディスカッションできることを大変光栄に思っています。今向井さんから話ありましたように、首里城は長い長い歴史がありますけれども、基本的には1879年近代に入るとだんだんだんだん本来の首里城ではない形に変化していく。そしてやがて戦争で完全に破壊されてしまう。そして戦争の後にそこは大学のキャンパスになっていくということなんですが、そういう状況を踏まえながらも、しかし首里城を復元したいという熱い思いが沖縄の人々の中から起こりました。で、私はその熱い思いに応えて首里城を復元する組織、検討する委員会のメンバーだったんですけども、その多くの専門家が集まって、首里城をぜひ復元しようと、大事なお城、建築やさまざまな文化が込められた首里城を復元しようということになって、いよいよ作業が始まった1980年代ですねの、後半からその作業が始まりました。で、その首里城のある場所は一応国営公園ですから、日本政府が責任を持って整備する仕事ということになったわけです。しかしその復元に向けて作業を始めて一番困ったことは、ある意味で最も大きな壁というハードルと言ってもいいかもしれませんが、資料が圧倒的になくなってた。首里城は破壊されて地上から姿を消している。関係する資料も戦争で失われた。我々の頼りは戦争の前に撮られた古い写真と、首里城で子供の頃遊んだとか、そこで散歩をしたよという昔の人たちの記憶しかなかったわけです。そして先ほどの向井さんの説明にありましたように、昭和の初め頃に沖縄神社という名目で修理が行われたわけですが、その時の記録が東京で見つかりました。建築的に首里城の特に正殿という建物についてよくわかる資料が出てきて、我々はその時にこの資料を使えばかなり、立派な首里城の正殿が復元できるかもしれないということだったんですが、多くの専門家とその資料を分析しました。かなり重要な資料でありますけれども、決定的な不足があった。首里城の建物の内部がほとんど忠実に表現されていないという問題です。そうするとそれは本来の首里城の姿ではないと、平たく言うと、簡単に言うと沖縄神社の拝殿でしかないというわけです。で、そこでみんな悩んだんです。どうした方がいいのかと。で、その時に我々の前に登場してきた非常に貴重な資料があります。1768年に首里城の正殿を大修理した時の詳しい記録です。それから1846年に首里城を大修理した記録、その2つの記録とも東京で保存されてました。だから戦争の被害に遭わなかったんですね。で、その2つの資料を使って王子の首里城に近づける作業が始まったということです。次お願いします。これは1846年に当時の琉球王国でこの正殿を修理した時の記録。まずその資料の冒頭にはこの正殿の正面の絵図が書いてある。これによって首里城の例えばこういうそのこう妻飾りと呼ばれているところですが、この詳細などういう色を塗るかについても書いてある。はい、次お願いします。さらにこれを、クローズアップした形、ここに柱の色の塗り方、柱のサイズ、どういう絵を描くかと、そしてこれどういう彫刻を施すかと、ここをどのような色によって仕上げていくかについての詳細な記録がこの1846年の記録に書いてある。次お願いします。そして
1768年の記録を例えばここで紹介しましたけれども、正殿という建物は3階建ての建物なんですが、沖縄神社拝殿という建物にはこの詳細な絵がありません。壁が全部ないわけです。ところがこの1768年の資料に基づくと、2階はこういうふうに柱が立っている、そしてこういう壁がある、ここに階段がある、でここに王が座る、一番大事な玉座がここにあるという、これ平面がちゃんと分かるような形の資料がこの出てきたわけですね。で例えばここにお千御子茶という部屋がありますが、このこういう部屋があることは記録で分かってましたが、どこにあったのかということは分からなかった。どれぐらいの大きさだったかも分かりませんでした。しかしこの記録に基づいて、このお千御子茶という部屋がこのような場所にあって、どういう広さの部屋であったかも分かりました。ここは琉球王国で女性たちが神に祈りをする神聖な部屋だった、貴重な場所でした。次行きましょう。そして2階に玉座がある、王が座る場所があると言いましたが、それについて詳細な記録が出てきた。沖縄神社拝殿にはこの玉座が全くありません。うさすかと呼ばれた王が座る、これが正面の図、これはそばから側面から描いた絵図です。そして全部寸法が書いてある、そしてどのような色を塗るかについても書いてあります。そしてここに見てください、ここにブドウとリスの文様がちゃんと彫刻されると書いてあります。この資料によって琉球王国時代の王が座る玉座が復元できたと。それが復元した図がここにちょっとありますけども、これですね。はい、はい、次お願いします。そしてこれ正殿に、この前の広場、広場があります。広場から正殿に入っていくアプローチがあります。階段があります。この階段はこういうふうに斜めになって、日本の文字で言えば葉という字に開いた階段になっている。そしてこの階段の段数もちゃんと分かります、何段あるかと。で正面に大きな竜の彫刻が置いてある。そしてその階段を上がっていくと正殿の内部に入っていくという詳しい情報も王国時代の記録に書いてあるということです。次お願いします。でそのような資料に基づいて、そして瓦についても研究しました。こういう王子の昔の瓦を研究して、その屋根に瓦を吹いていく、そして壁に資料に基づいた形の塗装ペインティングの工事をちゃんとします。そしてこのような彫刻を制作していくという、まあ、作業が行われたわけですね。次行きましょう。はい、そしてこのように沖縄神社拝殿ではなくて、王国時代の中心的な建物正殿としてよみがえったのがこの写真です。昔の記録が登場したことによって、王子により近い形の正殿がよみがえったというわけです。次行きましょう。そしてこの写真は首里城を、空から捉えたものです。ちょうど火災が起こる2019年の、頃に撮影されたものです。この写真で見ますと、ここにちょっとですね、ここに、こう美福門というものがあります。この門の工事をして30数年かけた首里城の復元事業を終わりました。しかしその年の10月31日に、まあこの正殿を中心とするこの中心部分が全部焼けてしまったというわけですね。はい、そして注目してほしいのは、この首里城は琉球の精神的なものを非常にキープしながら計画されていて作られていたということです。ここに弁賀岳という神聖な場所があります。祈りをする場所です。で、この太陽、これ朝日ですが、その下の方に久高島と呼ばれる神聖な島があります。ここは琉球の島々が作られた、そこで神様がやってきて琉球の島々を作った、非常に神話の上で大事な島がここにある。
この島のパワーを受け止めるのがこのベンガ岳という神聖な森なんですね。そしてこの神聖な森から東側から西に向かって伸びていく神聖な東西の軸線上に首里城という建物がちゃんとディスプレイされているということが分かりました。したがってただ単に建物を建てたのではなくて、そういう琉球の価値観というか精神性というか、そういったものを大事にしながら首里城は作られていたいいわけですね。ですからそういう点では沖縄 その政治や文化、そういったものがさまざまな事件や出来事があった政治や行政や外交の場だったんですけども、同時に首里城というものに含まれているのは要するに琉球の祈りとか精神性と、そういったものがちゃんとその中に集約されていると、そのようなものであったためにですね、どうしても戦争で破壊された沖縄神社ではなくて王子の首里城というものを復元する必要があったということになります。しかし残念ながらそれが2019年の10月31日の火災によってその中心部分が失われたということになったわけですね。次ありましたっけ、これで終わりですね、はい、じゃあ私の問題提起のスピーチこれで終わります。ありがとうございました。Merci beaucoup. Toshi, est-ce que tu as un petit mot de conclusion pour cette première partie ? Nous allons faire une petite pause là maintenant. Peut-être pour ce qui est de la France, quelques remarques. Nous adressons aux participants qui sont inscrits très nombreux et qui suivent nos propos en leur précisant bien ce qu'on a dit tout à l'heure, mais je le redis, que nous attendons dans leurs questions, que nous serions très heureux de pouvoir échanger autour des questions qu'ils peuvent se poser, tant sur la question de Notre-Dame en France que sur celle du château de Choury. Nous allons attaquer la deuxième partie après la pause, dans une dizaine de minutes, autour de l'émotion et des réactions qui ont vu le jour aussi bien au Japon qu'en France. Certainement ça suscitera chez vous beaucoup de questions, mais sur la partie historique, si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas à les mettre dans le petit bouton qui s'appelle Question and Answer, Q&A, sur votre application Zoom. Merci beaucoup à tous les participants de bien vouloir nourrir cette fonction de vos questions, sûrement tout à fait les bienvenues. Voilà, merci beaucoup pour Toshi. Est-ce que tu as des choses à compléter de ton côté ? はい、ありがとうございます。予定よりちょっと早く第一部が終わりましたけれども、どうしましょうか。ここでちょっと長めの休憩を取るか。通訳が休憩が必要かと思いますので、もしよろしければこのまま休憩に入って、予定通り、6時、ごめんなさい、あとちょっと長いな休憩になりますが、20分後にまた再開するということでいかがでしょうか。10h50 heure française, 10h50 pour le Japon, j'imagine. Voilà. Merci beaucoup.